Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, chers collègues du corps diplomatique, chers compatriotes, ce soir nous nous sommes réunis pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Guinée. Je tiens à exprimer mes chaleureux souhaits de bienvenue à tous les invités et ma sincère gratitude à tous ceux qui ont manifesté leur soutien au développement de la Chine et à l'amitié sino-guinéenne. Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle et le développement de la Chine au cours des 75 dernières années a été impressionnant. Sous la direction ferme du Parti communiste chinois, le peuple chinois a œuvré dans un esprit solidaire avec confiance dans la marche en avant du pays. En poursuivant sa politique fondamentale de réforme et d'ouverture, la Chine s'est frayée une voie radieuse du socialisme à la chinoise, réalisant un miracle dans les annales du développement de l'humanité, marqué par un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. Il y a peu, la troisième session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est tenue avec succès. La réunion a pris une série de dispositions sur l'approfondissement plus poussé dans la réforme et a mis en avant plus de 300 initiatives de réforme importantes couvrant divers domaines. Ce qui a fait preuve de la détermination de la Chine à approfondir la réforme dans tous les domaines et à élargir l'ouverture de haut niveau, faisant entendre la voix forte de notre époque, à savoir que la Chine travaille avec le reste du monde, en particulier les pays en développement, pour parvenir à une prospérité commune. Cela ne manquera pas d'apporter plus d'opportunités au développement du monde. Au premier semestre 2024, le PIB de la Chine a atteint 8 670 milliards de dollars, en hausse de 5% en glissement annuel. Le volume global de ces importations et exportations de marchandises s'est chiffré à 3 000 milliards de dollars, en hausse de 6,1% en glissement annuel. Elle a attiré plus de 70 milliards de dollars d'investissements étrangers et ses réserves de change ont été maintenues à un niveau supérieur à 3 200 milliards de dollars. Le nombre d'entreprises de haute technologie de la Chine a dépassé les 663 000. Ces investissements dans les industries de haute technologie se sont accrus de 10,6 en glissement annuel. Et ces installations de robots industriels représentent plus de 50% du total mondial. L'économie numérique, la haute technologie et le développement vert donnent une impulsion vigoureuse au développement des forces productives de nouvelle qualité en Chine, favorisant la modernisation et l'optimisation de la structure économique et industrielle du pays. Avec la mise en œuvre successive d'une série de mesures d'ouverture de haut niveau, la Chine injectera plus de certitude dans le monde avec une ouverture plus grande, en menant la reprise économique mondiale avec une dynamique plus forte. Mesdames et messieurs, chers amis, le sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, vient de se clôturer avec succès. Et cet événement de solidarité et d'amitié
a une fois de plus démontré au monde l'amitié indéfectible entre la Chine et l'Afrique. 6 ans après le FOCAC 2018, la grande famille Chine-Afrique s'est à nouveau réunie à Pékin pour envisager la perspective radieuse de la coopération sino-africaine et l'avenir prometteur du Sud global. Au cours du sommet ayant pour thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau », le président chinois Xi Jinping a proposé ici les relations sino-africaines à une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Ce qui jette des bases politiques plus solides pour la coopération pragmatique et amicale entre la Chine et l'Afrique, qui sont parvenus à un consensus important sur le renforcement de la coopération tous azimuts et ont adopté à l'unanimité 2 documents finaux, à savoir la déclaration de Pékin et le plan d'action avec 10 actions de partenariat déclarées par le président chinois Xi Jinping, d'après lesquelles la Chine mettra en œuvre 30 projets d'interconnexion des infrastructures en Afrique et travaillera avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route ». La Chine a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des catégories de produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Ce qui est en fait le premier par les grands pays en développement et les principales économies du monde à adopter cette mesure. La Chine réalisera également en Afrique 1000 projets de bien-être social petit et beau, construira avec l'Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique, travaillera avec l'Afrique à créer une alliance des hôpitaux chinois et africains et enverra en Afrique 2000 professionnels de santé afin d'accompagner les pays africains dans le renforcement de leur capacité de santé publique et proposera 60 000 places de formation en faveur notamment des femmes et des jeunes africains. La série d'initiatives de coopération pragmatique annoncées lors du sommet de Pékin démontre la confiance et la détermination de la Chine et de l'Afrique à travailler ensemble pour réaliser le rêve de la modernisation. Il s'agit d'une modernisation marquée par la justice et l'équité, l'ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté du peuple, la diversité et l'inclusion, le respect de l'écologie, la paix et la sécurité. Cette modernisation va dans le sens du courant de notre époque, s'adapte aux réalités du développement national et régional et répond aux aspirations et aux besoins des peuples de tous les pays. Dans notre recherche commune de modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Cette année marque également le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Guinée. L'amitié fraternelle sino-guinéenne s'inscrit dans la durée, devenant un exemple illustre de relations amicales entre la Chine et l'Afrique. Comme l'a souligné le président chinois Xi Jinping lors de sa récente rencontre avec le président Mamadi Doumbouya, au cours des 65 années écoulées, guidées par un esprit de respect mutuel, d'égalité et de bénéfices réciproques, la Chine et la Guinée se sont soutenues dans la poursuite de la voie de l'indépendance
en menant une coopération pragmatique sans aucune condition politique assortie. Les relations bilatérales ont résisté à l'épreuve des aléas internationaux et ne cessent de connaître un développement sans stable. Lors du sommet du FOCAC de Beijing, les deux chefs d'État ont eu des échanges approfondis et dégagé un consensus très important sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique globale qui a été interprété par le président Mamadou Doumbia comme une relation de mariage et les fruits de coopération comme les enfants des deux parties. Il a appelé toutes les parties à chérir l'amitié exceptionnelle entre la Chine et la Guinée autant qu'elles prennent soin de leurs propres enfants afin d'assurer un développement régulier et durable dans la coopération entre les deux pays dans les domaines clés. La Chine, quant à elle, mettant en profit l'opportunité historique de l'essor vigoureux de la coopération sino-africaine, approfondira sans cesse l'amitié traditionnelle entre les deux pays, soutiendra le processus de transition de Guinée et le développement économique et social guinéen, accompagnera le peuple guinéen dans l'exploration d'une voie de développement adaptée à ses propres conditions nationales, aidera la Guinée à transformer ses avantages en matière de ressources en un élan de développement et continuera à faire en sorte que la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route bénéfice mieux au peuple des deux pays afin d'insuffler une nouvelle impulsion et une nouvelle vitalité. Le mois d'octobre est un mois particulier pour la Chine et la Guinée. Le 1er et le 2 octobre marquent respectivement la fête nationale de la République populaire de Chine et de la République de Guinée. Et le 4 octobre marque les 65 ans de nos relations. À cette occasion, j'aimerais souhaiter bonne fête à nos deux pays, prospérité et bonheur à nos deux peuples. Vive la République populaire de Chine. Vive la République de Guinée. Vive l'amitié entre la Chine et la Guinée. Je vous remercie. À l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, je voudrais, au nom de Son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, souhaiter une bonne et heureuse fête au peuple et au gouvernement chinois, et singulièrement à Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. En ce jour, nous rendons un vibrant hommage à un peuple qui, par le travail et sous le leadership des dirigeants éclairés, a accompli des progrès impressionnants et a connu une transformation positive et profonde sur les plans culturels, technologiques, scientifique, économique, que sais-je encore, pour devenir une puissance majeure qui inspire respect, considération et admiration à travers le monde. Cela s'explique par la discipline du peuple chinois, sa capacité de résilience aux chocs endogènes et exogènes, par la détermination et l'engagement de ses différents dirigeants. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à travers la forte délégation gouvernementale présente ici, à vos côtés, le peuple de Guinée et Son Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, expriment leur attachement aux relations historiques d'amitié, de coopération, et de partenariats qui ont toujours existé entre nos deux pays et nos deux peuples. Loin d'être redondant,
Il est toujours important de rappeler à des occasions comme celle-ci que la République populaire de Chine fut l'un des tout premiers pays, voire l'un des tout premiers partenaires de la République de Guinée après son indépendance. La preuve en est que nos deux pays fêtent cette année le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Depuis l'établissement de ces relations, comme vous l'avez souligné, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, nos deux pays se sont toujours soutenus dans les instances de prise de décision, au sein des organisations et institutions internationales, pour la promotion des idéaux de paix, de sécurité, d'égalité et surtout du principe de respect mutuel et de gagnant-gagnant. Nos deux pays ont également œuvré ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de leur population à travers la mise en œuvre d'importants projets et programmes de développement dans les domaines névralgiques de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat, des infrastructures, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de la formation, du commerce, des télécommunications, des mines surtout, pour ne citer que ceux-là. Je voudrais, au nom de Son Excellence Général de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, Président de la République, de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, et du peuple de Guinée tout entier, exprimer nos sincères remerciements et toute la gratitude à Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au gouvernement et au peuple chinois pour leur soutien conditionnel à la République de Guinée. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'Afrique et la République populaire de Chine viennent de franchir une nouvelle étape importante dans la dynamisation de leurs relations d'amitié, de coopération et de partenariat stratégique à travers l'organisation du 9e forum sur la coopération sino-africaine. Le gouvernement guinéen salue l'esprit d'ouverture et de coopération qui a caractérisé les échanges au cours desquels d'importantes décisions et recommandations allant dans le sens de la promotion de la paix, de la sécurité et du développement dans son ensemble, ont été prises. Je voudrais rappeler que les recommandations contenues dans le plan d'action qui a été adopté lors de ce forum cadrent parfaitement avec le programme de refondation entrepris par les plus hautes autorités guinéennes depuis le 5 septembre 2021. Permettez-moi de faire une mention spéciale, comme vous, Monsieur l'Ambassadeur, à la rencontre mémorable que nos deux chefs d'État ont eue en marge de ce sommet, au cours de laquelle d'importantes questions d'intérêt commun ont été débattues dans l'avantage bien compris des deux populations. Monsieur l'ambassadeur, cette rencontre bilatérale entre nos deux chefs d'État avait tout son pesant d'or. À cet effet, je vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de transmettre les vifs remerciements de Son Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, à Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour l'attention toute particulière dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet durant leur séjour dans votre beau et grand pays. Nous nous réjouissons également, M. l'ambassadeur, de l'engagement et de la disponibilité des plus hautes autorités chinoises à accompagner la République de Guinée dans son élan de développement, à travers la mise en œuvre des projets prioritaires, notamment Simandou 2040, dont plusieurs sociétés chinoises sont parties prenantes. Ce gigantesque projet a pour objectif
de transformer l'économie guinéenne, de transformer le pays tout court, de développer surtout les infrastructures de transport et d'offrir d'importantes possibilités de marché. Le projet Simandou, au-delà de la saine et grande ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je pourrais dire sans embâche que l'expression qui s'y est celle prononcée par Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence à l'occasion de l'an 2 de la Compagnie du Trans-Guinée. Pour le prêter un peu de ses assertions, il dira, je cite, « Ce que nous faisons ici, sous le leadership du chef de l'État, son excellent général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, n'est rien de moins que de redessiner l'avenir de la République de Guinée. Chaque tonne de minerais extraite est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin, au nom de Dr Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, exprimer mes chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et à tout le personnel de l'ambassade pour les efforts inlassables et l'engagement total pour la dynamisation et la diversification de nos relations bilatérales. Je voudrais terminer mon allocution en renouvelant à Monsieur l'Ambassadeur, à sa famille, à son personnel et à la forte communauté chinoise vivant en République de Guinée mes chaleureux vœux de bonheur et de prospérité, ainsi que mes souhaits ardents de célébrer ensemble plusieurs autres anniversaires dans la joie et dans la paix. Vive les relations d'amitié et de coopération chino-guinéenne. Je vous remercie de votre aimable attention.